4 ans, 4 longues années, que la BMW série 3 sème la terreur dans le segment des grandes routières. Elle subit une mise à jour appelée LCI, comme toujours chez BMW, Life Cycle Impulse, qui se manifeste par de petites modifications qui touchent quoi ? Les phares, qui n'ont plus cette petite encoche-là, et la calandre, qui est légèrement modifiée, à l'instar du bouclier avant. Alors la grande nouveauté de cette série 3 LCI, c'est cette grande dalle numérique courbée qui remplace l'ancien tableau de bord. Alors dans le genre, elle est plutôt bien faite. Hein. C'est un bel objet, c'est agréable à manipuler. Dès qu'on approche la main, ça réagit. Devant soi, on trouve là aussi un affichage numérique configurable. On appuie ici et on choisit son menu, on choisit ce qu'on veut voir. C'est pas mal fait, c'est assez complet. Mais j'aime pas trop le design, je trouve que c'est un peu anguleux. Et moi, j'aimerais bien que les designers de BMW nous remettent des compteurs circulaires factices, certes, mais orangés, comme sur les anciennes BMW. Ça, c'était vraiment sympa. Le défaut principal que je trouve, moi, à ce système, c'est que ça intègre trop de commandes. Par exemple, la clim, maintenant, est entièrement digitalisée. Et quand on veut les régler, c'est embêtant parce qu'il faut faire plein de gestes, plein de mouvements, juste pour accéder au menu qu'on souhaite. Donc, c'est autant de temps perdu à ne pas regarder la route. D'un point de vue ergonomique, c'est pas bon, et d'un point de vue sécuritaire, non plus. Moi, j'aimerais bien que les constructeurs arrêtent de faire ça, franchement. Pour le reste, c'est une BMW, donc c'est-à-dire que c'est très bien réalisé. On a des plastiques moussés, ici, mais aussi sur la partie de base de la planche de bord. C'est bien assemblé, il y a un vrai effet premium. Je trouve que la qualité dans l'ensemble est peut-être ce qu'il y a de mieux dans la catégorie, au-dessus de l'Audi A4 et au-dessus de la Mercedes Classe C. Oups. Oui, je dois me réveiller pour vous faire la conclusion sur cette BMW 320D Touring que nous venons d'essayer. Globalement, c'est une voiture qui n'a pas vraiment changé par rapport à la version précédente. La nouveauté, évidemment, c'est ce tableau de bord entièrement digital et à mon avis d'une ergonomie assez douteuse. Personnellement, je ne suis pas pour. Je trouve même qu'un bon plan serait d'acheter une 320D Touring non LCI chez son concessionnaire avec une remise afin de bénéficier de l'ancien tableau qui sera plus pratique. Après, cela reste une excellente voiture, c'est-à-dire qu'elle est agréable à conduire, elle est performante, elle est économique, 5,2 litres en moyenne. Il y a des petits défauts quand même en matière d'insonorisation. Je trouve qu'on entend un petit peu trop les bruits du roulement, on entend un petit peu trop la sonorité du moteur en accélération, mais c'est vraiment dans la nuance. Globalement, c'est bien insonorisé, c'est bien isolé, le châssis est excellent, le rendu dans la direction ne souffre pas la critique. Le prix, 52 100 euros, c'est convenable, d'autant plus que cette voiture bénéficie d'excellentes valeurs résiduelles
et en outre, sa finition inspire nettement plus confiance que celle, au hasard, d'une Mercedes Classe C.